Bon matin! On a une nouvelle intro ce matin! En fait, c'est un cadeau, un partage de notre ami Martin qui avait vu nos autres intros de vidéos d'enfance puis qui a replongé dans ses vidéos à lui. Ses propres vidéos d'enfance. Puis, je suis fascinée de voir que. Je me demandais si regarder nos propres photos, c'est ça qui nous touche. On est nostalgique un peu par rapport à notre propre enfance. Puis là, quand Vincent fait la sélection des images, puis je voyais les vidéos de quelqu'un d'autre, j'étais autant émerveillée. Là. Martin qui était avec nous justement en live. Je pense que t'as aimé ça avec ton point d'exclamation. On a eu bien du fun. On a bien du fun à regarder ton vidéo ce matin, ça nous a fait sourire. Puis en plus, ce qui est fou, c'est qu'on a. Il y en a plusieurs. Fait que peut-être que Martin va être. Faire partie de vidéos pour quelques temps. Puis, si vous en avez aussi des vidéos à partager dans ce style-là, vous n'avez pas besoin. Je sais pas pourquoi on aime souvent les enfants qui tombent ses fesses ou qui s'en fâchent. Ouais. c'est tout ça, mais ouais. Vous n'avez pas besoin de vous péter la gueule pour faire partager des vidéos. C'est des moments que vous aimez, doux, cute, drôle. On va partir un drôle, pas un drôle de vidéo, mais tu sais, comme l'équivalent. Là. Mm-hmm. Sauf que les gens n'ont pas besoin d'envoyer un VHS, ils peuvent juste envoyer. Exact. Là, Martin qui dit beau bonhomme sur la vidéo, là, j'imagine que tu parles de moi en ce moment. Mais t'étais aussi cute quand t'étais petit, Martin. Oh my god, t'étais tellement cute. Je travaillais puis je me retournais tout le temps pour regarder le bébé. Tellement cute. Tellement cute. Fait que. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Ce matin, on commence à adorer parler de trucs qui sont absolument pas glamour pour dire c'est l'avenir, mais. L'avenir est pas glamour. Dans 25 ans, ça va être cool, là, mais on travaille dès maintenant. C'est transporter des affaires. Ouais. Transport actif. Ben, transporter des charges. Transporter des charges. Puis, je savais pas comment appeler ça parce que c'est tellement pas une activité qui, tu sais, qui a un nom, qui a une place dans notre esprit, dans notre imaginaire, à part dans un gym. Ouais, exact. Puis, j'adore transporter des affaires dans un gym. J'ai fait des cours privés de powerlifting pendant un petit moment. Puis avant que les gyms ferment et tout, puis j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'aime lever des affaires lourdes. D'ailleurs, invité au podcast, le coach que t'avais. Que j'avais. Dans le temps que tu t'entraînais. Alexis Raton, lui, il fait ça, c'est un athlète et un coach. Fouille-moi pourquoi j'aime lever une barre avec du poids. Je suis pas d'endurance. Il y a quoi de satisfaisant de soulever quelque chose de lourd, là? C'est dur à expliquer, mais. Ouais. Mais il y a des gens qui sont plus endurance, qui aiment le cardio, les affaires de même. Moi, j'étais à Louis Alexis. Le moins de reps possible, lourd, finito, rapide. Je n'ai pas de genre. Tu sais, le CrossFit, il y a aussi une mentalité de volume. Moi, je suis vraiment pas volume. Là. Après 5 heures, une année. <C'est ça. rire> Fait que, voilà, j'ai transporté des affaires lourdes. Mais là, on a comme. Par différentes circonstances. Dont une qui est ici. Ah, ben oui, ça commence à. Ah, my God! Yep! En dessous de la table. Ouais, je peux plus le cacher, là. Non. Cas. On se disait jusqu'à quand on peut le cacher? Avant que les gens le remarquent sur la vidéo, mais là, ça... Là, on est à 6 mois, là. Puis je pense que c'est ça, comme nos réflexions sur comment ramener du mouvement dans notre vie a été inspirée de plein de façons. Puis là, on va juste montrer brièvement qu'est-ce qui fait que c'est devenu hot pour nous de transporter des affaires on cherche ailleurs des opportunités. Que dans un gym. C'est ça, on cherche des opportunités pour le faire maintenant au lieu de chercher des opportunités pour pas le faire. Ce qu'on avait tendance à faire avant. Une fois que le mouvement devient plus au cœur de notre vie, mais on essaye de voir, OK, ben quand je vais faire cette chose-là, comment je peux rajouter du mouvement dans cette activité-là, puis se déplacer, c'est une activité. Puis c'est possible d'ajouter un certain degré d'effort à cette activité-là, en fait. Absolument. Puis on couvre n'importe quoi, puis je viens de penser, je vais mentionner pourquoi j'ai une casquette encore cette semaine sur la tête. C'est parce que dans des trucs qu'on teste pour moins consommer de produits ménagers et de savon, c'est pas de shampoing. Pour une fille, j'ai déjà essayé une couple d'années, j'avais pas réussi à traverser la phase que nos cheveux sont tout le temps gras pis laids. Puis là, j'ai pas à sortir en public avec le confinement et tout. Parce qu'on est en punition. Fait que je teste des affaires, mais j'ai quand même vu ma mère en fin de semaine et je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Maman, est-ce que j'ai l'air crasseuse? » Puis elle va arriver et elle a dit « T'as pas l'air propre. » Ah ouais, elle a dit, tes cheveux, il a pas l'air propre. Fait que là, j'ai fait, OK, maman, mais tu sais, t'es gentil, là, t'es cute. Fait que j'ai fait, je vais porter ma casquette quand donc, Marco se garde une petite gêne encore. Encore, là, je vais montrer mes cheveux. Des fois, je me demande si je vais réussir à ce move-là. À suivre. Mais c'est le mouvement rapport aux cheveux, il faut que je me brosse les cheveux maintenant pour les rambos. Chaque matin. Chaque matin.
OK, fait que transporter des affaires. Oui, bon, on va entrer dans les notes de l'épisode. Si vous voulez les voir, ils sont sur le site web, renard.ca, allez sur l'onglet studio. Puis le dernier épisode, ben l'épisode d'aujourd'hui va être là. Puis vous pouvez même suivre en live, là, parce que c'est en ligne. Donc, le petit dessin, le premier, c'est comment notre représentation du mouvement a changé dans les années. On a réalisé que, pendant nos discussions, une des grosses problématiques liées à la santé des peuples industrialisés modernes, c'est l'absence de mouvement dans nos vies, ce que la santé publique, on va appeler la sédentarité. Ouais. Une crise de sédentarité qui mène à plein de problématiques. Nous, on n'aime pas le mot sédentarité, en fait. Nous, on voit plus ça comme une carence en mouvement, en fait. C'est une carence en mouvement. Ben, c'est qu'on veut reframer le problème. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une sédentarité. Nous, on a le mot inertie aussi, mais en fait, c'est juste une question de préférence, de vocabulaire. Puis après, on a réalisé que le problème, c'est pas que les gens font pas assez d'exercice. Parce que souvent, c'est comme ça que le problème est cadré. C'est, les gens bougent pas assez, les gens font pas assez d'exercice. Mais on a réalisé, grâce à différents auteurs, que, en fait, le problème, c'est plus vaste que ça. C'est une carence en mouvement général, les mouvements sous toutes ses formes. Mais quand on a la perspective qu'on manque d'exercice dans nos vies, ben on va dire, OK, il faut que je fasse du sport puis il faut que j'aille au gym. Fait que c'est ça l'image de gauche. C'est qu'on imagine. Le problème, c'est que nos journées sont tout le temps un peu, on est inactif. Puis là, boum, on va au gym pendant un certain temps, on pousse, on essaie de faire des mouvements de grosse intensité. Voiture, bureau, divan. Là, on a tellement éliminé le mouvement dans notre quotidien qu'il faut en rajouter de façon extrême à un certain moment. Puis c'est démontré quand même qu'il y a des mouvements, tu sais, la mode récemment, des mouvements qui appellent HIIT, la High Intensity Interval Training, qui a des fois même juste des 10 minutes ou pousser, tu sais, de faire des sprints au maximum de tes capacités pour quelques secondes, ça apporte déjà énormément de bénéfices. Fait qu'on a un peu cette vision-là qu'on peut comme condenser nos mouvements dans des séances d'exercice intensifs. Mais ce qu'on réalise, c'est que ça ne compense pas le fait que toutes les autres heures de notre journée sont complètement inactives. Puis le corps humain, oui, ça va faire du bien d'aller au gym, puis on y va, puis on le fait, puis ça nous fait du bien. Puis les études montrent que l'exercice, c'est important, puis c'est bénéfique pour tout le monde, à moins d'avoir des contre-indications sévères. Mais ça ne peut pas compenser le fait que le corps est inerte tout le reste de la journée. Malheureusement. Puis on a transitionné avec plusieurs années de lecture puis de recherche vers un modèle où on essaie de plus voir le mouvement comme une vague dans la journée où des fois c'est plus intense, des fois c'est plus... Au lieu de concentrer l'activité physique à un moment puis de façon intense, on essaye plus de l'étendre tout au long de la journée puis aussi d'acquérir différents types de mouvements parce que oui, c'est bénéfique d'aller courir pendant 10 minutes au gym. Mais c'est bénéfique par rapport à, parce que le groupe contrôle, si on veut, de ces observations-là, c'est la référence, c'est la population en ce moment. Fait que si c'est bénéfique, ça veut aussi dire que la population globalement est en carence de mouvement. T'sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, oui, les études montrent que une petite période de 10 minutes intense de mouvement est bénéfique. Mais c'est aussi parce que globalement, tout le monde... que le niveau est tellement bas. Exact, la barre est basse, tu sais. Fait que oui, ça va être bénéfique, mais c'est aussi bénéfique d'aller chercher plein de petits mouvements dans notre journée. Puis le gym ne va pas adresser des micro-mouvements qu'on fait avec nos doigts ou des squats. Je peux même en faire un. Je préfère le podcast en squat. Fait que tu sais, des squats ou des choses comme ça qu'on ne peut pas vraiment aller chercher en 10 minutes. En fait, ça prend plus de temps puis plus de... Plus de douceur aussi. Ouais. C'est de la flexibilité, de la mobilité, de l'équilibre. C'est pas juste faire pomper le cœur pendant. Tu sais, le cœur, c'est un muscle, mais il y a plus que ce muscle-là aussi dans un cœur. Puis il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est pas en faisant du macramé que tu vas être en santé. Mais je pense que c'est juste. Il faut juste étendre la perspective sur c'est quoi bouger. Si bouger, c'est une haute intensité fait pomper le cœur puis que tu l'évalues en termes de combien de calories tu brûles puis que de combien de minutes tu bouges, à quelle intensité, ben c'est vrai que ça élimine de notre vision tellement de mouvements, mais aussi ce qu'on appelle des moments de vie, tu sais. Puis notre argument, c'est pas que l'artisanat va te donner une meilleure endurance cardiovasculaire. Le macramé donne pas les abs. On va jamais proclamer ça, mais ce qu'on réalise, même avec des recherches dans... Quand on commence à regarder de plus en plus les recherches de communautés modernes, non industrialisées ou des études
de communautés ancestrales, c'est que la majorité de nos activités, c'était des activités douces, de faible intensité, avec une certaine portion de moyenne et une petite portion de grande intensité. Puis c'est tous ces petits moments-là qui nous gardent en santé. Puis si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai retrouvé Cathy Bowman dans un de ses vidéos YouTube qui s'appelle « Move Your DNA ». C'est en référence à ce qu'elle présente aussi dans un livre du même nom. J'ai trouvé la slide qui m'était restée en tête, c'est les Hadza, là, c'est comme les chasseurs-cueilleurs en ce moment, que si vous commencez à lire des études anthropologiques, c'est comme les superstars. Ouais. C'est les rockstars des hunter-gatherers. Les chasseurs-cueilleurs. C'est une façon pour eux aussi de faire de l'argent, mais il y a beaucoup d'études qui sont faites sur eux au niveau du microbiome, de... David Sanson, qu'on a reçu au podcast, lui, il étudiait le sommeil. C'est cette communauté-là qui a étudié sur place. Puis Cathy Bowman, elle les réfère encore une fois dans une étude qui était sur leur niveau d'activité physique dans l'année. Fait qu'ils ont eu des moniteurs cardiaques, je sais pas comment on appelle ça, pendant, je pense, au moins un an, parce que l'activité physique varie aussi de saison en saison. La communauté est intéressante parce qu'ils ont aussi peu de marqueurs de maladies chroniques comme les sociétés industrielles. Fait que c'est pour ça qu'il y a un peu une obsession de comprendre comment ils vivent. Comment ils vivent. Tu sais, si les personnes ont le cancer dans ces communautés-là, ben il y a de quoi qui se passe qu'on a avantage à essayer de comprendre. Fait que dans ces études-là, l'étude qu'Cathy cite, c'est justement c'est la perspective du cardiovasculaire pour essayer de voir c'est quoi les proportions d'activité. Mais ce que ça démontre quand même, c'est que je pense qu'il y a un chunk de minutes d'activité faible. Fait que ça va être... Tu sais, les femmes vont beaucoup creuser. Ça, c'est quelque chose que... Parce que Lieberman parle, moi, est-ce que... Parce qu'ils se nourrissent de racines, en fait. Il y a une division du travail, fait que les hommes chassent. Je pense majoritairement dans cette communauté-là. C'est pas toutes les communautés qui ont la même division du travail, mais dans celle-là, je pense que les hommes chassent. Puis les femmes font beaucoup de... Ils creusent pour des... tubeuses. Quand t'appelles ça? Des tubercules. C'est drôle en français, mais des patates. des variétés de patates. Puis transporte, c'est ça. Fait que faible intensité après moyenne, puis un peu d'activité vigoureuse. Puis ce qu'elle mentionne dans la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que l'activité vigoureuse qui fait pomper un peu plus le cœur, c'est transporter de l'eau, du bois, puis des enfants. Étonnamment. Puis même moi, je l'ai vécu, je pense, cet hiver, ça m'a frappé. Pendant une certaine partie de l'hiver, j'ai un anneau, en fait, comme une Fitbit, en fait, mais c'est une bague. Puis je le portais sur un doigt pendant une partie de l'hiver, puis je marche, on marche chaque matin. Puis un matin où il y avait pas mal de neige, puis je marche quand même vite quand je marche. Puis l'intensité de travail que mon corps faisait pendant la marche était plus élevée que je fais un petit entraînement pendant l'après-midi, là, à peu près 20 minutes. Puis c'était plus élevé le matin, puis c'était 30 minutes, une heure de marche intense. Puis l'intensité était plus élevée que quand je fais des pull-ups. Ouais. Ça m'a vraiment fait réfléchir parce que c'est juste la marche, tu sais. Juste la marche. C'est juste la marche. Une autre activité qui a l'air tellement banale. Oui. Fait que ça a comme vraiment changé notre perspective de... j'ai fait un nouveau dessin ce matin. Ben oui, on va le montrer aux gens. J'ai m'ennuie de plus en plus à faire des dessins avec des bonhommes allumettes puis des schémas rudimentaires. Là, vous allez vous dire, waouh, est-ce que c'est un artiste professionnel qui a fait ce dessin-là? C'est juste... C'est assez frappant. Fait que c'est ça, le paradigme de l'exercice. C'est ça qu'on a parlé dans d'autres talks, mais rapidement, c'est que le paradigme... L'humain est en carence de mouvement, on est sédentaire, fait qu'on a inventé l'exercice. C'est une activité artificielle d'aller dans un gym puis de lever des poids. Il commence à avoir une mode récemment de ce qu'il appelle l'entraînement fonctionnel, fait que faire des mouvements qui vont te servir dans la vie quotidienne, mais tu bouges quand même en général dans un endroit qui n'est pas ta vie naturelle. Dans un gym fonctionnel. Il va y avoir des cubes, des bois, puis ça va être un petit peu plus diversifié que des machines qui ont une fonction dans un gym original, mais... Il y avait une carence en mouvement, je dirais peut-être dans les années 60, 70, 80, quand les gouvernements s'en sont rendus compte qu'ils ont investi massivement dans les problèmes de santé publique pour dire qu'il faut faire bouger les gens. Fait que là, c'était beaucoup. Il y a eu l'ère du cardio, il y a eu l'ère. Là, en ce moment, on est beaucoup dans une ère un petit peu plus musculation ou mix. Ouais. L'idée CrossFit, ouais, des choses comme ça. Puis là, les hautes intensités, on dirait que c'est cette envie-là de l'homme, là, de dire je peux en faire le plus efficace, hein, j'en fais le moins possible, 20 minutes, c'est assez, puis elle me donne l'optimisation. Ouais, c'est ça, là. Fait que dans cette perspective-là, la pyramide a l'air, tu sais, tu te dis, OK, il faut que je bouge intensément,
Moi, j'écris yoga parce que le yoga aussi est full à mode. Puis là, moyennement, intensément, mais tu sais, j'étais là, yoga, pilates, des affaires de mode, tu te dis comme, ah, ok, ça, c'est ça. Puis là, cool down, l'importance de mouvement, de relaxation, d'étirement, des affaires de mode. Ouais. Mais dans notre tête, bouger, c'est, faut que ça, faut qu'on, on, ça pompe, ouais. Notre cœur pompe. Mais dans le paradigme du mouvement, c'est juste absolument l'inverse, en fait. Ouais. C'est beaucoup de mouvements quotidiens tout au long de la journée, de faible intensité, qui nous font bouger de toutes les façons, qui nous augmentent les capacités de notre corps. Mm-hmm. Moyenne intensité de temps en temps, puis haute intensité, ça va piquer par certains moments. Puis voilà. Ouais. Puis une fois qu'on accepte que les mouvements de faible intensité occupent une place importante dans nos vies, tu sais, oui, on a parlé de marche, mais ça peut aller plus loin. Tu sais, nous, on a un moulin à épices, mettons. T'sais, au lieu d'acheter des épices déjà moulinées, ben on moule nous-mêmes nos épices. Ou on a un grinder pour le café aussi, qui est manuel. On a plein d'objets dans la maison, dans l'appartement, qui nous font bouger, même si c'est pas... On ne sue pas là, quand on utilise le moulin à épices. C'est pas le but, c'est pas de faire pomper le cœur, mais c'est d'ajouter le plus de petits mouvements, justement, possible dans notre quotidien pour éviter la carence, en fait. Mm-hmm. Exact. Mm. Puis, on se rend compte aussi, quand on commence à s'intéresser à un petit mouvement... Ben les mouvements, on commence à le dire de plus en plus, mais les petits mouvements comme grandissent et se multiplient un peu comme des plantes. Mm-hmm. Tu sais, l'idée qu'on va moudre notre poivre à la main, ben on va aussi vouloir l'acheter dans un endroit, mettons, tu sais, on va aller à pied dans un endroit spécifique où on peut l'acheter en vrac. Ouais. Puis là, le fait d'aller à l'épicerie pour acheter cette sorte de poivre-là qu'on préfère va devenir un peu une aventure. Puis c'est ce qui peut arriver avec le macramé, tu sais, dans le sens où... C'est pas ça qui va nous donner des abs, mais si on découvre une boutique dans notre quartier ou dans une autre région qu'on adore, puis on se met à parler avec une communauté de gens qui font de l'artisanat, puis que là, finalement, on se réunit. Tu sais, c'est ça qui... Le mouvement commence à avoir du sens quand on l'inclut dans un contexte qui est riche aussi, puis c'est ça qui nous donne envie de continuer. Moi, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui aiment pas le jogging puis le gym, c'est parce que c'est pas nécessairement naturel. Certaines personnes s'épanouissent, mais... Pis c'est parfait. Si vous adorez faire du jogging, on va pas aller vous plaquer pendant que vous en faisiez. Mais c'est pas le... On essaie de viser des choses qui sont plus humaines. Je sais pas comment dire autrement. Mais ben, c'est replacé dans un contexte, mais amener une variété aussi. Ouais, parce que le jogging, ça peut être humain, tu peux aussi avoir une communauté. Oui, on peut jogger avec des gens, hein, on peut jogger jusqu'à un an. Ça peut être une façon de se déplacer aussi. Mais... Ouais. Fait que bref. Bref. Mais d'où vient l'idée dans tout ça de transporter des affaires? Ben c'est qu'en lisant des différents types de livres, comme il y avait Move Your DNA, Exercise de Daniel Lieberman, on a couvert un autre de ses livres dans notre club de lecture qui s'appelle l'histoire du corps, The Story of the Human Body, l'histoire du corps humain. C'est un paléo-anthropologue qui explique un peu comment le corps humain a évolué sur tout le timeline des 300 000 ans qu'on était là, puis même avant avec les singes, pour justement créer un méga contraste entre les besoins de notre corps réellement, tu sais, l'évolution de millions d'années versus comment on vit aujourd'hui, puis de montrer comment il y a un gros décalage. Mais justement, quand il analyse comment l'humain bougeait, mais les activités de base, c'est creuser, courir des fois pour chasser, lancer des choses, toutes des affaires qui font plus nécessairement partie de notre vie. Aussi, Esther Gokley, 8 Steps to a Pain-Free Back. Elle, c'est aussi sa perception quand elle est allée se promener ailleurs dans le monde, qu'il y a des communautés qui n'ont pas les maux de dos, les problèmes aussi de ça, mécanique, biomécanique, qu'on voit aujourd'hui puis qui sont tellement communs qu'on les accepte. Ah, j'ai mal au dos, c'est pas grave. Tout le monde a mal au dos. C'est mais commun. En fait, non, c'est pas parce que c'est commun qu'il faut se dire, ah, ben, je vais juste l'accepter. C'est que socialement, comme tu mentionnais tantôt, il y a tellement de gens malades qu'on oublie. C'est pas parce que dans une population, il y a quelque chose qui est normal, comme des maux de dos, que c'est normal. C'est que c'est si normal, ça apparaît. Ça peut être culturel, ça peut être une technologie qu'on utilise puis qui est juste la norme. Qui a un impact négatif sur notre santé. T'sais. Puis c'est pas. Faut arrêter de se dire. Ça arrive à plein de gens que je connais, donc c'est normal. Faut aller un petit peu plus loin dans les réflexions pour voir, OK, dans l'histoire de l'homme ou dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, okay, pourquoi ils n'ont pas ces choses-là? T'sais? Pourquoi ils n'ont pas à dealer avec ces problèmes-là? Puis il y a plein de belles choses qu'on peut découvrir puis apprendre. Exactement. Fait que je pense que la première réalisation, la première étincelle, c'était dans ce livre-là. Parce qu'elle montre des photos de personnes qui transportent des choses sur leur tête, qui ont une posture, vraiment une belle posture, des gens qui sont capables de squatter, de se pencher avec un dos super droit. Super droit, là. Je suis pas capable de faire ça, moi.
Puis là, c'est là, elle, où elle, dans son livre, c'est ça que j'aime, c'est qu'elle elle montre ses étapes, en fait, c'est les mouvements qu'elle présente pour améliorer le dos. C'est pas justement juste des exercices à faire dans un gym, c'est des mouvements du quotidien. Mm-hmm. Comment s'asseoir, comment s'allonger, comment mm-hmm. marcher, comment se pencher. C'est ça, comment se pencher? Y a-t-il quelque chose? Il va falloir en parler, là. C'est encore moins sexy que de transporter des affaires, là. Ouais. Mais comment se pencher? Ouais. Fait, elle a comme semé une graine. Mm-hmm. Puis justement, quand après, tu as un autre auteur qui dit que lui, un de ses étudiants, je pense, au doctorat ou à maîtrise, a fait une recherche sur l'efficacité de transporter des choses avec une tige de bambou. Mm-hmm. Il y a des gens en vie, c'est ça leur métier. Mais oui, je trouve ça fascinant. Je pense que tu l'as mis dans les notes. Mais on a fait récemment, en fait, un autre épisode de studio sur plus le transport actif. Sur le transport, le portage. Le portage. Je pense que c'est vive, pas de poussette. Vive sans poussette. Mm-hmm. Parce que là, il y a quelqu'un qui se rajoute à l'équipe de Renard. Puis ça nous fait réfléchir beaucoup le fait de choisir ou non d'utiliser une poussette. Puis Marc-Claude avait monté plein de boards Pinterest mm-hmm. avec des centaines de photos de justement dans différentes régions du monde, comment ils transportent les enfants. Puis c'est fascinant parce qu'on se rend compte que c'est vraiment pas universel les poussettes, là, que dans d'autres régions du monde, ils utilisent plein d'autres choses pour transporter leurs enfants. Puis des choses qui requièrent plus justement d'efforts physiques parce que la poussette, c'est pratique si on est sur un terrain plat, sur l'asphalte en fait. Il y a des parents qui vont pouvoir relate avec ça. C'est pratique sur l'asphalte, mais on va pas prendre une marche en forêt avec. À moins que ce soit sur un sentier. Un sentier, puis avec des pneus comme un peu tout terrain, ouais. peut-être. Tu sais, mais tu sais, c'est pas partout dans le monde où tout est asphalté. Là, fait. Ouais. Mais absolument, mais on peut montrer quelques photos. Fait que cette graine qui a dépensé dans ma tête, je sais plus pourquoi, mais c'est ça. J'ai commencé à. Je suis souvent sur Pinterest. C'est une source d'inspiration incroyable pour moi. Fait que là, mes tableaux ont commencé juste à grossir infiniment. Fait qu'on peut retourner aux notes. J'ai montré une image qui m'inspire ce matin. Fait que quand on parle de transitionner du paradigme d'exercice, fait qu'on voit Dwayne Johnson qui s'entraîne dans son gym. The Rock. Qui pèse des tonnes, qui transporte dans le monde avec lui quand il fait des films. C'est ça qu'on imagine. Tu sais, c'est quoi bouger, s'entraîner, ça ressemble à ça. Mm-hmm. Puis je pense sur son. En tout cas, je pense que c'est une photo humoristique de son Instagram à côté qui a un gros sac, une méga valise, puis qui disait moi j'aime ça faire un voyage, puis il amenait tout ça. Mais j'ai pas retrouvé le contexte encore, mais je me disais. On imagine The Rock dans son gym en train de suer, mais moi ce que je trouve sexy maintenant, c'est l'idée de, qu'on transporte des valises, mm-hmm. puis que ça devienne une source de mouvement, puis de fierté, mm-hmm. genre. Fait, ouais. Bref. Si The Rock transporte sa propre épicerie, un jour, exact. Je vais repost. Parce que là, tu sais, sur sa photo avec les poids dans un gym, ben, remplacez ça par des sacs d'épicerie, puis. Ah, exactement. C'est très fonctionnel. Mais c'est ça, encore une fois, notre vision du luxe dans la société, ouais. c'est. Puis moi, c'était ça la mienne. C'était, hey, un jour, je vais être tellement riche, je vais avoir mon gym privé, mm-hmm. puis je vais avoir un chef qui va cuisiner pour moi, puis je vais avoir comme un butler qui va transporter mes valises. Un caddie. Tu sais, exactement, tu vas avoir un caddie, je vais arriver à l'hôtel, là, ouais. puis là, je vais leur laisser mes valises là, puis quelqu'un va les apporter pour moi ouais. à l'hôtel. Puis là, on fait des. Nous, ça a complètement flippé maintenant ouais. parce que l'autre fois, tu disais, ah, tu prends tes sacs d'épicerie, puis j'étais comme, non, c'est pas me voler du mouvement. Tu veux voler du mouvement, tu gosses? Fait que nous, notre perception du luxe s'est transformée en disant l'ultime luxe, c'est que notre corps soit fort. Soit capable de faire toutes sortes de choses, mm-hmm. dont d'en transporter des charges sans que ça soit accablant. Puis maintenant, ça devient même stimulant. Fait que c'est pas de dire qu'il faut vivre une vie de misère constamment puis se faire chier. C'est notre studio. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment flippé. Fait que là, on retourne dans notre Pinterest. On n'a pas linké les boards, mais je les ai finalement mis public. Mais c'est qu'il y a des centaines de photos comme ça de comment l'humain, parce qu'il y a des photos, mettons, de communautés actuelles ailleurs dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, mais j'ai aussi trouvé des photos d'archives, mettons, d'Européens, mm-hmm. Des photos noir et blanc, où, tu sais, au lieu de transporter du bois ou des bidons d'eau en plastique, c'est genre, tu sais, transportent les grosses bines de raisin pour faire le vin ou des gros paniers de pain ou des affaires comme ça. Puis, à travers les époques, partout dans le monde, il y a des photos magnifiques des femmes, je pense qu'il y en a, c'était en Hollande ou je ne sais plus dans quel pays, qui transportent justement avec une pole, tu sais, de l'eau ou du lait. Mm-hmm.
Puis ça, on va pouvoir linker les... Je peux faire ça après l'épisode, en fait, là, mais je vais linker les vrais boards, vu qu'ils sont publics maintenant. Mm-hmm. Fait que tu vas directement dans les notes. Parce que là, c'est juste des images, tu sais. Fait qu'on ouais. peut pas vraiment zoomer dedans, mais après ça... Sur notre compte Pinterest de Renard, vous pouvez, en fait, aller scroller puis voir ouais. le type d'image. Puis Pinterest vous en offre à profusion par ouais, après. Mais je suis devenue un peu fascinée par toutes les façons que l'humain, avant l'invention de... T'sais, de trucs à roulettes ou de machines ou de voitures, comment on transportait ce qui nous entourait. Mm-hmm. Puis moi, je trouve ça juste magnifique de découvrir ça. T'sais, sur la tête, sur le côté, des gros pots, des gros vases. Il mm-hmm. Y a toutes sortes de méthodes de transport. Qui, t'sais, avant le sac à dos aussi, là. Mm-hmm. Comment les Sherpas dans l'Himalaya transportent des choses. Ouais, ça, c'est impressionnant. En haute altitude, toutes ces techniques-là, moi, me fascinent. Mm-hmm. Puis m'ont fait réaliser que... Ben, ça fait plus partie de notre... On n'a plus à transporter. J'essaie de trouver des exemples de... C'est quand dans notre quotidien, à part à l'épicerie, qu'on a transporté des choses. C'est quand on va à l'école... Ben, le bébé bientôt, mais... Ouais, je sais pas. Fait que, en tout cas, même là, j'étais comme, comment on peut ramener ça dans notre vie? Parce que mon but, ça sera pas d'aller... On habite en ville, là. On va pas aller chercher notre eau au parc Jarry. Je vais pas arrêter le chauffage puis chercher bûcher du bois. Ouais. Puis, ça va pas arriver. Fait que c'est ça aussi, là, c'est... Comment on en ramène? Il faut être audacieux pour ramener ouais. du mouvement dans notre quotidien. Fait qu'on a commencé à réfléchir à ça. Puis là, comme tu disais, le bébé est arrivé. Fait ouais. que là, j'ai commencé à dire, OK, ben un bébé, c'est génial parce que pendant qu'il est dans mon ventre, c'est un poids qui grossit. Mm-hmm. Fait que je me dis, ça renforcit mon corps au fur et à mesure. Mm-hmm. Puis après, dans le fond, là, il part juste d'ici à dans mes bras. Fait que si mon ventre est capable de le porter, mes bras, puis le reste de mon corps devrait être correct. Fait que là, c'est ça. Là, une fois qu'il est sorti, ben, c'était rapide. Il fait juste grossir. Fait que là, ouais. c'est juste génial. T'sais. Ben oui. Fait que je me suis dit, ben OK. Fait que le bébé va grossir. Puis là, il y a toutes sortes de façons de le transporter. Fait que mm-hmm. là, j'ai commencé à m'intéresser aussi au portage d'enfants. Mais là, il n'est pas encore là, le bébé. Fait que non. On ne peut pas s'éterniser là-dessus. Mais notre vidéo sur le sans-poussette, c'était plus nos réflexions de comment on va essayer de le transporter partout. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on s'en reparlera de ça, mais il y a aussi plein de photos dans le board Pinterest de centaines et des centaines de photos de portage puis toutes les différentes techniques que l'humain a inventées pour transporter son bébé. Puis pas juste le transporter d'une place à l'autre, mais carrément le porter. Vivre avec. Vivre avec. Non, oui. Ne pas le mettre de côté dans son truc puis faire nos choses, mais... Vivre avec. Non, oui, vivre avec. Puis pendant que la femme travaille, cueille, comme... On voit des femmes comme... J'ai vu des femmes comme... Je sais pas si la santé publique ici aimerait pas ça, là. Mm-hmm. Mais c'était une femme en vélo qui allaitait. Tu sais, l'enfant était en portage puis il buvait du lait comme si rien n'était. C'était pas un événement en soi. C'était pas un événement, là, ça allaiter, avait l'air là. Tellement banal. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, ça c'est mon life goal maintenant. Allaiter en faisant du vélo. Complètement bored. En bixi. Complètement ennuyée, là. J'imagine les gens sur la piste cyclable qui sont comme. OK. Coucou! Mais bref, vu qu'on n'a plus à transporter, on n'a pas de bébé à transporter, on n'a pas à transporter notre eau, on n'a pas du bois, on n'a pas à creuser pour aller chercher notre nourriture mm-hmm. puis la ramener au village. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait à l'ère moderne? Deux urbanites. Je sais pas comment on appelle ça, là, des citadins bien normaux qui ont grandi en banlieue. Bien domestiqués. Bien domestiqués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, on a inventé des activités mm-hmm. un peu pour combler ça. Puis je pense que là, les images, je sais pas si on les voit, mais une chose qu'on aime faire pendant nos marches matinales, on marche tous les jours, le matin et soir, si on voit des choses dans les poubelles qui sont intéressantes, on va les ramasser dans la poubelle au recyclage. Qu'est-ce qu'on fait avec mais qu'est-ce autres? Qu'on juge intéressant? Il y a un organisme proche de chez nous qui s'appelle le Lion, la souris, qui fait du jeu libre avec les enfants. Puis ils sont dans mm-hmm. une approche de mettre plein d'items de pièces libres que les enfants peuvent réarranger pour faire des cabanes ou toutes sortes de choses. Ouais, fait qu'aux yeux d'un adulte, c'est un terrain souvent qui est à l'extérieur, fait qu'aux yeux d'un adulte, ça a l'air d'un mini dépotoir pratiquement, tu sais, on dirait que juste de plein d'affaires qui traînent. Mais aux yeux d'un enfant, ça devient un terrain de jeu incroyable, là, parce que là, il y a plein de choses, plein d'objets à utiliser, on peut construire des forts avec des vieilles couvertes, mm-hmm. plein de choses, fait que c'est vraiment beau, en fait. C'est vraiment cool. Puis ça fait bouger même les enfants, en fait. Mm-hmm. C'est la différence entre aller dans un terrain de jeu au parc que tout est déjà fixé puis que l'enfant peut juste se promener. Puis ouais. Les terrains de jeu deviennent un peu ennuyants parce que tout est immobile versus une expérience de jeu où tout est mobile. Puis c'est ça, l'enfant, ça a l'air anodin, là, mais des mouvements qu'on a presque plus à faire, c'est soulever des choses au-dessus de nos têtes dans la vie quotidienne. Mm-hmm. Là. Ouais.
Fait que ça peut ramener ça. T'sais. Fait qu'un exemple de ce qu'on trouve qu'on adore, ben dans le fond, sont à côté de nous, on peut aussi juste mettre à l'écran, mais c'est des tuyaux, des gros tuyaux en carton qui viennent des magasins de tissus sur Saint-Hubert, pas de chez nous. On s'en est gardé, en fait, parce que c'était le fun, puis on marche dessus, puis ça nous fait un massage de pied. Fait qu'on a genre un espèce de radeau en tuyaux, puis ça... C'est vraiment cool pour les pieds, en fait, pour l'équilibre ou pour le... Ouais. Moi, je fais des squats dessus des fois, c'est vraiment pratiquer. Nice. On peut en prendre un tout seul, un petit, puis on pratique notre forme. Comme on en a des... on dirait qu'on a plein d'affaires autour de nous. Mais là, je suis tellement musclé que celui-là, il a fendu la dernière fois que j'ai utilisé. Mais bon, non. Oh là là! Mais bref, quand on trouve ça d'être belle, puis qu'il y en a genre 15, c'est lourd quand même, puis la charge... Tu sais qu'au gym, on est habitué, il y a des poids, tu sais, il y a les barbells qui ont une forme, il y a les dumbbells qui sont libres, il y a les ballons. Puis c'est déjà une certaine variété, le type de poids. Mais transporter comme des trucs de 10 pieds de long, puis le ballon, puis c'est pas la même expérience, ça nous fait bouger différemment. Puis transporter ça, parce qu'on était quoi, à 20, on est à 25 minutes à pied? Oui, à peu près. Mais... La veille, il a fallu les ramener de Saint-Hubert jusqu'à chez nous, qui est comme un autre 15 minutes. Fait que c'était... On s'est échangé, puis c'était quand même... C'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Non. Moi, il fallait que je fasse une coupe de coin de rue. On aurait pu se mettre à deux aussi. Ouais. Mais on l'a pas fait. Mais on est... Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'était plus grand que moi, puis ça aurait pas... Ah, c'est ça, ouais. Parce que... Ben, j'ai pas. Mais sinon, une autre affaire avant d'aller au studio mobile, mais un peu plus bas, ce qu'on a déjà trouvé, c'est un gros rondin de bois. Que tu sais, sûrement la ville a coupé un arbre. Puis d'habitude, c'est des gros troncs, là. Mais là, c'était comme une belle slice. Puis vite, c'est grand. Elle est plus grosse que ça, en vrai. Comme elle est plus grosse, puis elle est plus lourde. C'est quand même lourd, là. Moi, ça. On dirait que la photo, ça a l'air facile, ben, là. Ça. Mais. À côté de moi, puis mes muscles, c'est sûr que tout a l'air minuscule, tu sais. Mais c'est vrai qu'elle est quand même grosse, en vrai. Je suis prête à la charger. Ça, c'est le genre de choses que... Puis là, maintenant, on l'a ramené à l'appart parce qu'on trouvait ça trop cool. Mm-hmm. Puis ça fait c'est sur notre corridor, puis ça fait un obstacle à éviter, puis on pile dessus. Puis l'année passée, on s'en servait comme petite table sur notre balcon. Oui, en fait, on a fait un studio aussi sur le corridor actif parce qu'on a un corridor avec plein d'objets, d'obstacles, de poutres, de choses pour acheter du mouvement, pour lancer notre carence en mouvement. Fait que si vous voulez aller voir comment le rondin est utilisé en ce moment, ben... Il est par terre. Il est par terre, mais dans l'épisode de studio, on le montre. Une autre affaire qu'on a trouvée dans les poubelles, c'était un meuble. Je vais descendre de deux coches. Tadam! Wow! Aïe, j'avais les cheveux longs. Aïe, Vince avait les cheveux longs, il y avait un peu honte de cette photo, on l'a pas photoshopé. On voulait tester là, s'il aurait l'air cool. Ouais. Avec un man bun, ça a commencé. Non! J'ai pas l'air cool avec les cheveux longs. Fait que là, on a trouvé le meuble qu'on voit en ce moment dans une ruelle. Puis on disait, ah, good enough, ça, on va pouvoir l'utiliser pour mettre des choses dedans. On l'a plus maintenant, je pense qu'on l'a. On l'a donné à friperie. Mais on l'a utilisé pendant un bon bout. Puis on transportait en fait chacun une extrémité. Puis on a rencontré. Ça aussi, on était à une demi-heure de la maison. Ouais, on était loin. C'était lourd, on arrêtait à chaque coin de rue. Ouais. En fait, à ce moment-là, je voulais un meuble comme, à peu près comme ça pour l'appart, qui était quand même assez bas pour travailler, m'asseoir au sol pour travailler, ranger. Je voulais un vieux meuble, puis sûrement l'acheter à friperie. Puis là, on l'a fait dans les poubelles. Ben, disons, c'est écrit à donner. Tu sais, il y a des gens qui mettent ça. Là. En juillet, genre. Ouais. Puis c'est là que le mouvement devient intéressant quand c'est pas juste faire de l'exercice, mais c'est que là, il y a un monsieur, un grand-papa, avec sa brouette, puis son petit fils trop cute. Il était vraiment cute, il était tout tranquille. Puis ils nous ont vus, puis ils nous ont dit, ah ben... Je m'en vais par là. Ouais. Allez, voulez-vous l'embarquer votre meuble? On s'en va dans la même direction, en fait. Fait que pour quelques coins de rue, il nous a accompagnés, puis on a jasé. Puis pour moi, c'est là que tout le mouvement prend son sens. C'est quand le mouvement devient un moment de vie ou une aventure ou... Ça nous arrive toujours des affaires de même. Que, ouais. Les mouvements grandissent et se multiplient, puis les beaux moments arrivent. Yes. Fait que sinon, ben, quand on parlait du corridor actif, t'as mis quelques tu restes là au moins. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'au début, c'est vrai, avant de. Tu sais, il y a quand on trouve des choses pendant nos marches qu'on va les transporter. Mais avant de passer au portage du bébé puis de rajouter des trucs dans nos sacs à dos, je me suis juste dit comment on peut rendre notre corridor plus stimulant, puis une autre. Un autre truc que je m'étais dit, c'est que je vais
quand je traverse le corridor, je vais mettre les poids d'un côté, mais nos haltères, en fait, d'entraînement. Puis quand je refais le chemin inverse, je vais les ramener tout le temps, tu sais. Juste pour acheter de la charge. Au même moment, nous, on t'a acheté un sac de riz. Ouais. On a acheté un gros sac de riz parce que les poids, les haltères coûtent super cher en ce moment. Ouais. Fait qu'un 20 kilos en termes d'haltères, ça coûte une fortune, mais là, un sac de riz, ça fait la job. Puis encore une fois, c'est une charge qui est différente parce que c'est une chose de toujours, mettons, prendre 2-10 kilos de la même façon, faire les mêmes exercices, versus devoir lever un sac de riz qui est comme mou. Ouais. On peut le mettre sur l'épaule aussi, on peut le mettre sur la tête. On peut le mettre sur le côté. Ouais. Fait qu'il y a plein de façons de le faire, ça, puis, ça multiplie. Puis ça se mange. Puis ça se mange. Fait qu'on a une date d'expiration sur ce sac-là, puis peut-être quelques mois avant que ça passe, on va manger du riz non-stop. Ouais. Mais c'est quand même, tu sais, pour moi, c'est quand même peu naturel finalement à la longue de dire que je transporte tout le temps des poids. Ouais. Puis c'est là que l'idée, c'est de dire, OK, mais quand est-ce qu'on marche? T'sais, l'idée de stacker des activités. T'sais, au lieu, encore une fois, de dire, au lieu de bouger dans un gym, de lever de la terre, je vais le faire dans mon appartement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut combiner des activités? Ouais. Fait que finalement, ça a comme cliqué qu'on marche tous les matins. Faire l'épicerie, c'est de transporter des charges. On peut transporter des charges, mais on marche tous les matins. Fait que j'ai comme allumé qu'on pourrait, on pouvait se rajouter un sac à dos avec des poids dedans. Avec des poids dedans. Puis ça, ça nous a un peu, ça s'est fait exploser le cerveau un petit peu parce que ça donnait un méga hack, mais c'est la marche. On faisait déjà de la marche, puis là, on pouvait dire, on peut rajouter un peu de poids dans nos sacs à dos, puis c'est encore mieux. Exactement. On fait juste rajouter quelque chose à quelque chose qu'on fait déjà. Tu sais. Exactement. Fait que c'est le même temps, ça ne nous prend pas plus de temps, puis nos marches nous semblent encore plus bénéfiques. Puis on se prépare pour l'arrivée du bébé, parce que avec le portage, c'est une chose de transporter l'enfant, mais il faut aussi transporter plein d'autres affaires. Ouais. Comme des couches, des. Ah ouais. Toutes sortes de choses. Fait qu'on s'est dit, OK, mais fait qu'on n'aura pas juste le bébé, on va aussi avoir sûrement un sac à dos puis des sacs. Fait tant qu'à faire, dès maintenant, moi, je peux muscler tranquillement. Puis, fait que je vais être prête. Fait qu'on va. Notre but, c'est un peu d'avoir les capacités avant que le moment arrive, avant qu'on ait besoin de le faire pour de vrai. Fait que finalement, les haltères ont fini dans ton sac à dos. Puis moi, ben, j'ai la photo, mais je l'ai carrément ici à l'écran. Là. C'est un sac. Un sac bien normal. Bien normal. Qui servait à toutes sortes de choses. Puis il y a des atlas géographiques. Exact. Dedans. Ouais! Ouais! Simple. Parce que le sac est comme quand même vaste. Fait que là, je voulais pas des trucs comme l'eau, mais pointus qui allaient me piquer dans le dos comme les haltères. Fait que là, j'ai fait qu'est-ce qui serait plus massif. Fait que des super atlas finalement. J'adore les choses multifonctionnelles. Yep. Fait que le soir, je peux m'instruire. Et pendant la journée, puisque je lis des atlas. Ah, ben oui, nous, on est tellement intellectuels. Puis, puis ça fait aussi que si tu te perds, ben t'as toutes les cartes du monde dans ton sac à dos. Ça n'arrête jamais de marcher, puis je me perds. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça. C'est niaiseux, mais maintenant, c'est ça qu'on disait. Je pense que le premier matin, le deuxième matin, j'avais oublié mon sac, puis je suis revenue en courant à l'appart pour le mettre sur mon dos. Mon sac! Et je me dis, mais quel changement, parce qu'avant, je détestais transporter mon épicerie. Ben oui, on évitait ces choses-là, tu sais. On essaye de maximiser plus notre confort. C'est très humain, en fait. C'est très humain. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est ce concept. Il y a Cathy Beaumune, elle appelle ça de faire du stacking. Au lieu d'isoler nos mouvements, de dire. Là, je mange, là, je bouge, là, je vais faire mon épicerie en char, puis je ramène mes sacs d'épicerie, puis nan, nan. Au lieu de tout fragmenter notre vie comme ça en activités différentes, c'est de dire comment une activité peut nous faire accomplir plusieurs choses. Ouais. Elle a un exemple qu'elle utilise souvent, parce qu'elle vit dans un endroit où il y a une nature abondante, elle peut faire de la cueillette, je pense qu'elle peut pêcher, ça fait la même. C'est de dire, OK, si on va faire une hike en forêt, la même heure d'activité là, permet de passer du temps en famille, de marcher nos pieds dans le bois, de faire un bain de nature, de ramener de la bouffe à la maison. Souvent, Carmé, elle a commencé à découvrir les joies de cuisiner dehors. Fait qu'elle amène ses choses dehors. Fait qu'elle dit, en une heure, deux heures, j'ai comblé toutes les choses qu'il y avait sur ma liste. C'est-à-dire, faut que je passe plus de, au lieu de dire, je vais aller au gym une heure, puis après, je vais passer du temps en famille. Fait que là, t'organises une activité pour être avec tes enfants. Puis après, faut que je fasse le souper, puis après, faut que je fasse l'épicerie. Puis là, elle a dit... Elle superpose ces choses-là. Elle superpose ces choses-là. Fait qu'on essaie maintenant de faire plus ça. Fait que c'est une première étape. Fait que c'est ça. Puis sinon... Là, on est passé par-dessus le studio. Ouais. Ben sinon, c'est aussi, c'est de délibérément
essayer d'imaginer notre style de vie pour être mobile. Parce que ça doit être délibéré, en fait. C'est ce qu'on se rend compte aussi, que si c'est pas délibéré, on le fera pas. On dirait que les normes en ce moment sont plus axées autour du confort. Ouais. Fait qu'il faut comme délibérément essayer de transformer fondamentalement notre style de vie. T'sais. Ben si on n'avait pas fait toutes ces recherches ou eu ces réalisations-là, en ce moment, avec le bébé qui arrive, tu sais, comme c'est un peu comme la norme, là, tu commences à acheter les affaires pour préparer l'arrivée du bébé. Puis, genre, on a racheté une poussette. On y aurait même pas pensé. Ben c'est comme, il nous faut une poussette. Il y a pas d'autre option. Fait que là, l'option de le porter, maintenant, pour moi, ça me semble enchanteur. Mais avant, ça aurait... Pas que j'aurais pas voulu, mais ça aurait juste même pas été dans mon imaginaire. Ouais, ça n'a pas été une possibilité. Non, c'est ça. Ouais. En dehors de le transporter de temps en temps pour aller faire une hike, justement, parce que la poussette n'était pas optimale, ou marcher en ville en hiver, puis que la neige, c'est gossant, la poussette. Ça n'a même pas été une possibilité dans mon imaginaire. Mais bref. Fait que là, sinon, délibérément, on essaie de se construire un studio mobile avec... on regarde les commentaires à Martin. Ben oui! Merci Martin d'être là, c'est vraiment cool. Martin qui dit « La tendance semble à l'inverse pour les objets de tous les jours. » Ou bouteilles automatiques, moulins à café automatiques, etc. Exactement comme on parlait tantôt. Fait que nous, on essaye de... faut délibérément aller désautomatiser notre quotidien. Fait que bon point, Martin. Puis moins d'efforts égale mieux. Puis il a mis ça en parenthèse, mais... Non, ça dépend ce qu'on vit, ce qu'on vise, en fait. Nous, ce qu'on remarque ces temps-ci, c'est que si on vise le plaisir ou on vise le moins d'efforts possible, ben c'est pas mieux pour notre santé. À long terme, c'est ça que... C'est on échange du court terme pour du long terme. Exactement. En fait. C'est ça que tous les auteurs qui m'ont vraiment inspiré, c'est qu'ils mettent ce paradoxe-là en lumière, qu'on on travaille super fort à créer des objets ou des systèmes ou des services pour pas qu'on ait à faire d'efforts pour être plus confortable. Mais le paradoxe de la vie moderne, c'est que trop de confort nous rend chroniquement malades parce qu'on manque de mouvement. On manque de mouvement. Puis cette vie-là est plus confortable, ironiquement. Non, on se rend pas compte. C'est un inconfort chronique. Inconfort chronique, puis on se rend plus compte du nombre d'efforts qu'on doit faire pour compenser nos douleurs puis nos maladies. Puis que finalement, la vie est vraiment nice puis simple quand on c'est ça, quand on simplifie. Quand on rajoute un peu d'inconfort de façon délibérée. Puis ça devient confortable parce que notre corps se renforce. On n'externalise plus notre confort. Exactement. En fait. Puis on consomme. On consomme moins aussi. Ça, c'est une autre de nos obsessions. C'est que si on se dit, OK, avant, on bougeait à faible intensité puis on transportait des choses tout le temps, mais la question, il est où ce mouvement-là? C'est que c'est un, soit si on ne bouge pas pour vivre, si on essaie aussi de se rappeler, il y a un objet qui fait la job ou il y a un humain qui a bougé pour nous. Puis ça implique de la consommation supplémentaire. Puis c'est ça. Mais... au lieu de se dire que l'humain est paresseux, parce que souvent, c'est une vision aussi, de dire les gens doivent faire les yeux, les gens ne font pas, l'humain est paresseux, ça ne va jamais marcher. Nous, on essaie plutôt de se dire l'humain est ingénieux. On est ingénieux à trouver des façons de bouger le moins possible. Mais il faut flipper ça puis utiliser notre ingéniosité pour trouver des façons de rajouter du mouvement en sachant que c'est ce qui nous amène l'ultime confort puis que c'est une vie de luxe, être en santé, tu sais, puis pouvoir faire ce que tu veux, c'est génial, là, tu sais. Puis, ça ne devient pas, pour nous, prendre des marches avec des poids supplémentaires dans nos sacs, c'est pas quelque chose de douloureux ou de... Tu sais, on n'a pas besoin de se forcer à le faire, ça devient même, une fois qu'on a fait le switch, une fois qu'on a changé notre perception, ben ça devient le fun. On est tweet là, on est comme... Bon qu'on n'a pas fait ça toute notre vie. C'est magique! Mais on a juste rajouté des poids dans notre sac, tu sais, fait que c'est vraiment, il y a un changement de perspective un peu à faire. Fait que dans le design délibéré, nous, c'est qu'on monte un studio d'enregistrement mobile. Fait que tout l'équipement qu'on a, les caméras, les lumières... On a deux spots, caméras, on a plein d'affaires. En ce moment, rentre dans un sac à dos, puis dans une poche, les lumières, là, mettons, parce que les tiges sont grandes, dans un sac comme ça. Voilà, tu sais, puis on a eu à faire un tournage, mettons, à pied, dans un quartier à côté... Ben, en fait, à pied. Dans un quartier à 45 minutes de chez nous. Puis on a décidé d'y aller à pied avec notre studio mobile, puis de le transporter en se disant « c'est du mouvement de plus ». Puis je pense que Vince a linké une de ses... Ouais, dans les notes, en fait, on a aussi... on a mis certains de nos posts Instagram, en fait. Ils ont un visuel un petit peu différent. Si jamais vous voulez suivre
notre compte Instagram aussi, on donne souvent des idées ou des suggestions, des behind the scenes comme ça. Mais là, la vidéo qui est au-dessus de nous, tout, juste là, c'est moi qui transporte le studio au complet. Mais là, je sais pas si je peux partir. Veux-tu faire ça? Veux-tu marcher? Ah, ben oui. Yeah! Fait que le sac à dos, les trépieds. Vous voyez, deux trépieds, il y a les spots sur le dessus de mon sac. Puis... Ça doit être quoi, 50 livres? En tout, tout? En tout, tout, peut-être plus 40 livres, si je compare au poids. Ouais. Okay. Ça doit être à peu près 40 livres. Ah, je peux pas réécouter, il faut que j'aille sur Instagram. Instagram! Mais... Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment cool de construire ces capacités-là, de bâtir ces capacités-là, parce qu'après ça, on se sent un peu invincible au quotidien, parce qu'on se dit, ben, il n'y a plus rien qui tu sais, d'investir dans ces capacités, ça devient le meilleur outil qu'on peut faire. Parce que notre studio mobile, c'est aussi, on a une van campeur, qui, parce que notre rêve, c'est de faire la tournée du Canada, puis du monde, un jour. De l'univers. Fait qu'on peut mettre, tu sais, on peut... Vu que notre studio est compact, c'est plus facile aussi de se promener avec la vanne. La vanne elle-même est mobile. Puis justement, quand on est en dehors de la maison, quand on était après un super avec notre vanne, puis qu'on n'avait pas tous les systèmes de notre appartement, bien, on avait le réflexe de... Justement, on est allé faire l'épicerie. On allait faire l'épicerie à pied délibérément au lieu d'utiliser la vanne. Ouais. Puis les choses lourdes, bien, c'était le même sac à dos que Vince mettait tout le stock dans son dos. Puis après un super, il y avait des problèmes de traitement d'eau. Traitement d'eau. Il mouillait trop, fait que l'usine débordait, ou je ne sais pas trop. Là, ce qui paraît, ça peut arriver à Montréal aussi des fois. Mais fait qu'on devait aller acheter l'eau à l'épicerie, en fait, pour pouvoir boire de l'eau potable. Puis ça, c'est un autre type de charge. C'est pas pareil de transporter un sac à dos que de devoir travailler sa... C'est quoi, c'est l'appréhension? Sa grip? Appréhension. La grip. La grip. Fait qu'il y avait ça, puis la maison qu'on habitait ou qu'on était hébergé, c'était en haut d'une montagne. En haut d'une belle montagne. Ouais. Une bonne colline, disons. Fait que c'était un exercice en soi aussi de transporter notre épicerie puis l'eau aussi jusqu'en haut. Mm-hmm. En fait. Puis on se l'échangeait, des fois sur l'épaule, des fois sur le côté. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que là, la prochaine vague de recherche que je m'imagine faire par rapport à transporter des charges, c'est sur les différentes techniques. Parce que justement, on va voir toutes les images sur Pinterest, il y a une abondance de possibilités et de techniques. Mm-hmm. C'est juste par curiosité, là, le sac à dos doit être présent beaucoup dans les sociétés industrielles parce que peut-être que c'est une des méthodes les plus faciles, les plus accessibles, mais juste par plaisir, je serais curieuse de transporter des choses avec une pole. Mais en ville, on peut pas parce qu'on... Sur un trottoir, ça serait dégueu, là, mais juste le tester puis voir l'effet sur le corps. Mm-hmm. Puis de voir aussi des mouvements que, selon le type d'objet, spontanément, on va... Je pense que c'est intuitif. L'humain va se positionner d'une certaine façon. Puis le dernier exemple que j'avais, c'est Vince. On apportait une plante à sa mère. Mm-hmm. Tu sais, le pot était quand même assez massif. Puis elle habite au 4e étage. Fait que Vince, naturellement... sur l'épaule. Il l'a mis sur l'épaule. Puis c'est vraiment plus tard que j'ai réalisé qu'en regardant des photos, c'était des techniques beaucoup quand... J'ai regardé les photos d'archives de femmes ou d'hommes qui allaient chercher de l'eau à un puits ou qui devaient transporter des choses dans un vase. Des photos justement comme ça, ou des photos de femmes avec des gros paniers de linge qui sont juste, tu sais, des grosses charges, là. Puis des photos d'archives là, dans des villages, mettons, en Italie ou au Portugal, qui sont juste à côté de même. Encore une fois, là, presque ennuyés, puis ils parlent. On dirait de la photo de rue, là. Puis ils parlent avec les gens dans la rue, puis ils attendent comme ça, comme si de rien n'était. Ils s'arrêtent pour parler à quelqu'un alors qu'ils ont une grosse charge sur l'épaule. Ouais, alors que nous, on est comme on court pour aller porter la charge. C'est comme on a juste hâte de s'en débarrasser. Puis j'ai fait, c'est ça, la banalité de ces mouvements-là au quotidien, moi, me fascine maintenant. Fait que je serais curieuse d'étudier c'est ça, les différentes postures, puis rajouter encore plus de variété dans notre vie. Puis ça, ces photos-là, c'était vraiment pas. Souvent, ce qui arrive dans notre quotidien, c'est qu'on va faire de quoi? Puis un de nous qui va faire comme « Oh, attends, je vais prendre une photo! » Okay, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'il y a un flou puis de croche. Ouais. Je me disais « Ah, monter un escalier, transporter quelque chose, c'est intéressant. » Puis voilà. Bref, fait que si vous avez des idées d'affaires à transporter, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot « affaires ». Des affaires. On est très inclusif. Y compris des bébés. Ou pas, des choses vivantes ou... Ouais, Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Ben oui, commentez. allo@trenor.ca. Ouais. Et si vous avez des vidéos d'enfance que vous pouvez faire comme Martin, on adore les visionner, mais aussi s'en servir pour faire nos intros. Puis on sait que ça fait sourire. Si nous, ça nous fait sourire, ben ça fait probablement sourire aussi les personnes qui regardent les lives. Fait que n'hésitez pas à nous partager ça.
Voilà, donc bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Des fois, il y a des studios, il y a des semaines qu'on skip parce qu'il faut faire le plein d'idées avant de pouvoir en partager. Oui, c'est pour ça que sur le site, c'est écrit presque chaque samedi matin. Presque samedi. Mais on essaie d'être assidu. Là, on en a deux d'avance qu'on sait qu'on va faire. Fait qu'on va être là les deux prochaines puis, semaines. C'est ça, on en a skippé deux dans les deux dernières semaines parce qu'on est en train justement de préparer beaucoup de choses puis de créer plein de choses à vous annoncer en fait qui sont vraiment cool. On a hâte de les partager, mais ça prenait bien du temps et du jus de cerveau. Fait que, on s'en reparle la semaine prochaine. Yay! Yes! Bye! Bye bye! Bon samedi!